start was too early for us, but it was we have do a good comeback. L'esprit au départ de cette nouvelle leg entre Itajaï et Newport, c'est comme un renouveau en quelque sorte. C'est voilà, c'est une course dans la course. C'est-à-dire qu'on oublie tout ce qui s'est passé un petit peu avant, les mauvais résultats, les mésaventures. Et le but, c'est de enfin montrer de quoi on est capable, essayer d'atteindre un beau résultat sportif. On avait vraiment à cœur de réaliser quelque chose de bien et d'être au contact des meilleurs. Yeah, in everyone's mind, if we could have a good finish in Newport, it would be a massive boost for the team because they'd put in, you know, all the shore crew and the tech team, they'd put in so much work to get us back in position to be there. It'd been a lot of effort after what happened in Cape Town. It would just be so nice to have this moment. On se donne beaucoup sur les premiers jours de course pour essayer de tenir les rythmes des autres équipes. J'avoue que ce qui m'a faiblissé un peu mentalement, c'était de me dire que les conditions qu'on allait avoir pour les premiers jours de course, ben, c'était un peu des conditions défavorables pour notre bateau en théorie, par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de la course. Et là, la bonne surprise, c'était de voir que finalement, on arrivait à rester collé au groupe de devant, voire même qu'on arrivait à batailler aux avant-postes. Ouais, après, on fait effectivement une manœuvre pour passer sur une voile plus petite et faire accélérer d'autant plus le bateau, où on est clairement sur des allures volantes. Et là, on a atteint quand même des performances assez incroyables avec le bateau et on revient très très fort sur le groupe de tête où on revient à 4000 du premier. Première fois où le bateau il vole, il décolle quoi. Et je me souviens que je sors sur dans le cockpit et il y a Benjamin et Rob qui sont au taquet et ils ont la banane, je les redécouvre quoi. C'est des ados qui sont au taquet quoi. Les ados qui jouaient avec leurs jouets dont ils avaient été privés pendant un mois ou deux. We performed and that was important by the end. However you would turn it or describe it, things were going right. Plutôt un super bon début d'étape quoi. Où je sentais qu'il y avait un bon état d'esprit d'équipe, tout le monde se battait à bord. Ouais, c'était chouette ouais. D'un seul coup, je vois un bout qui file dans le cockpit. Je vois que ce bout, c'est le foil, quoi. Et donc là, je me dis, ah, bizarre, pas normal, le foil qui rentre dans le bateau qui ralentit, qui gîte. Alors ? Ouais, elle est pas fou, il n'y a pas de dynéma à nu, normalement. Ah non, c'est la cover qui a pété ? Ouais, je pense. La downline, donc le bout qui permet de maintenir le foil en position basse, c'est sa surgain qui a cassé. Tout de suite, en fait, on est billes en tête avec Seb. On dit, bah vas-y, on a une downline dans le spare. Je passe un coup de téléphone à Thomas, je sais à peu près comment ça se passe, mais je passe un coup de téléphone à Thomas. Il me dit, ouais, alors là, il faut enlever cette boîte-là, c'est un peu relou, etc. Mais bon, avec Seb, on voit à peu près comment c'est fait. On dit, bah vas-y, en une demi-heure, c'est bâché le truc, quoi. Les deux, ils se mettent dans la réparation et ils switchent un peu de mode et ils se mettent à reparler français entre eux parce qu'ils gèrent l'opération un peu tous les deux. Ils la réparent et pendant ce temps-là, Annie, elle est dans le cockpit, elle gère le bateau. Cette opération d'une demi-heure se transforme en calvaire. Parce qu'en fait, la surgaine qui a cassé, elle s'est coincée dans les goulottes, elle s'est coincée dans le taquet. Ça a fait arracher le taquet. Donc là, ça commence à faire 2 heures qu'on est en train d'être arrêté au portant. Et là, on décide de se remettre sur la route. Et on aurait dû décider de le faire, en fait, 2 heures avant, dès que la réverie est arrivée. Mais voilà, on a voulu aller trop vite. In hindsight, I think that was a rush to do that because we didn't really have all the tools ready, and I don't think we had all the information about how to do the fix. Mais c'est vrai que quand on s'est arrêté, ben un IMOCA sans foil c'est à 16 nœuds, un IMOCA avec foil c'est à 25 nœuds, quoi. Donc c'est vrai que quand c'est arrivé, on s'est dit on essaie de résoudre ça au plus vite, et au final c'était probablement une erreur. Et au final, voilà, on a fini par réussir à le passer. Du bon côté du réa en pas beaucoup de temps quoi. Ça c'était cool. And the big problem at that moment is that everyone else was doing at least 25 knots. So quickly we are losing hundreds of miles. Mais on gardait en tête les courses à la voile, il se passe tout le temps le même truc. On gardait en tête, ça se trouve, on s'arrêtait à Newport pendant 10 heures et en fait on va arriver là comme des fleurs. Et donc en fait on lâchait rien quoi. On essayait de rester focus. Mais bon, on finit par en sortir de là. Pas trop mal quand même.
Et après, enfin, les alizés, et là, ça, ça envoyait bien. We covered 575 miles in 24 hours, which is a new record for the boat. And I don't know if in the whole leg in the end this has been the record, but we were for sure the record holders at that moment in the leg. So we were gaining on the guys in front. Ensuite, on les voit remonter quand même. Là, on voit que ça, que ça remonte, que ça remonte, que ça remonte. Donc les marins, ils doivent, à mon avis, ils mettent des bûches dans la cheminée là, hein, ou dans la chaudière. Et là, la machine, elle doit y aller. Donc là, on les voit gratter, gratter et se rapprocher vers Biotherme. Et donc, on se dit, le podium, on commence là à vibrer un peu plus quand même. On se dit, petit podium, ce serait... Alors là, ce podium, il est, je pense qu'il aurait été très, très apprécié de tout le monde. Quoi. Donc on se bat finalement. Et on est, on pense, en bonne position. On commence à gagner plus Nord que Biotherme. On se retrouve à 22 000, je crois, à un moment, de Biotherme. Alors les écarts se font, se défont, peu importe, mais là, c'est des options stratégiques qui commencent à se dessiner. Et là, les conditions commencent à devenir, comme on s'y attendait, vraiment plus musclées. Et donc là, bah, on sécurise le... On se prépare à ça. Ça veut dire qu'on range bien le bateau, on répare tous les petits trucs à réparer, et on se prépare à rencontrer des conditions qui vont être... qui vont être difficiles. Franchement, on a plutôt bien anticipé, quoi. Ça monte crescendo un peu plus fort et un peu plus anticipé que ce qu'ils annoncent. Les vagues deviennent de plus en plus difficiles à passer. Donc, petit à petit, on réduit un petit peu la puissance du bateau. Donc, on commence par réduire un peu les voiles, rentrer un petit peu le foil, et on réduit encore, jusqu'à au moment où on se retrouve avec le J3, donc une des plus petites voiles d'avant du bateau, et la GV réduite au maximum. Je suis aussi rassuré parce que Benjamin prend le choix de naviguer sous grand voile seul 3-ris, qui est en fait la configuration où on a le moins de toile sur le bateau. On ne peut pas faire moins de toile sur ce genre de bateau. Donc la configuration un peu safe, quoi. Et du coup, le but était de se retrouver qu'avec la grand voile seul et traverser la pire partie de cette zone de vent, juste avec le petit bout de grand voile qui nous restait, où là on se retrouvait quand même en sécurité avec un bateau qui est du coup sous-puissant, où on maîtrise les choses et finalement on fait le dos rond, on reste humble vis-à-vis de la situation, on préserve un peu le bateau. On accepte d'être un peu moins rapide et d'être juste souris 3, quoi. Le bateau avait une bonne balance comme ça. Et tout va bien se passer, il peut rien nous arriver quand on est dans cette configuration-là. On peut affronter 65, 70 nœuds, il se passera rien, quoi. C'est pas grave. Mais bon, franchement, moi, je suis resté, alors que j'étais off-watch, et je suis resté peut-être une heure dehors, sous le vent. Et en gros, au bout d'une demi-heure, je dis à Seb, et je crois qu'il était avec Annie ou avec Robert, je sais plus. Et je dis, écoute, là, ça a l'air d'être de le faire. Moi, je vais me reposer, quoi, pour le passage du front après, quoi. Je me couche, je m'endors, quoi. Donc finalement, j'étais assez en confiance quand même. Et puis là, je suis sur le pont avec Annie. Benjamin et Robert sont en train de dormir. On avance à 13 nœuds à peu près, donc au ralenti, hein, clairement. Et on est juste avec la grand voile, vent de travers. Le bateau tape pas vraiment. Et il se trouve que on entend un énorme crack et c'est le mât qui tombe, quoi. After that, complete silence. And it was the weirdest feeling. It was like someone just killed the boat. It went completely dead. En fait, j'ai vu le feu qui était en haut normalement du mât. Je l'ai vu passer derrière le bateau. Et j'ai tout de suite vu que le bateau, en fait, a tout de suite ralenti. Comme si on lui avait fait un croche-patte, en quelque sorte. Et puis, il s'est remis à plat et le bateau s'est arrêté complètement. Et je dis, on a dématé. Dismasted. What? Dismasted. Oh non, putain.
Oh non. Ah non, mais non. Ah non. C'est impossible, putain. Et c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Enfin... En fait, je crois que je veux pas y croire tant que je l'ai pas vu. Donc je sors dehors. Et là, en effet, il y a le mât dans l'eau, quoi. Et le mât dans l'eau, tout le bateau arrêté, on se fait maltraiter par les vagues. And then I just heard this masted, and I was like, what happened, Ben? What happened? Yeah, we lost the mast. I was like, what the f-? Yeah, hard, very hard. On n'a pas beaucoup de temps à ce moment-là. Moi, je réalise qu'on a dématé, première chose, et j'entends Benjamin. J'entends les lamentations de Benjamin et je réalise d'autant plus que ben je sais ce qu'il en coûte d'être là, je sais ce qu'il en coûte de mener ses projets et je sais ce qu'il en coûte de démater. Pendant 5 secondes, il y a les plaintes et puis même pas 5 secondes. Et puis après, tout de suite, on reprend tous conscience et Benjamin, il hurle « Fermez les portes !»« Qu'on ferme les portes !»« Ouais. Qu'on ferme les portes !» On ferme pas les portes et que le bateau il est pas dans un bon axe par rapport aux vagues, on peut remplir le bateau d'eau, enfin c'est pas pareil quoi. Tout de suite ma priorité dans l'instant T, à part crier et de me dire que c'est la merde, ma priorité c'est quand même de faire en sorte que tout le monde soit safe quoi. The first thing for 2 seconds was no, please no, like you know from a sportive perspective, but I think very, very quickly, I was very nervous of the mast puncturing the hull. So my first thought was, we've got to get rid of this thing now. Yeah, we need the tools to cut the mast off. You need to make quick decisions. So I was straight, I put my Fahrweiser gear on, life jacket on, was straight into the toolbox, getting all the tools out. And we went on deck and yeah, we analyzed, we reflected for a moment the situation, but we needed to act quickly. Après, ma deuxième priorité, c'était d'essayer de calmer le jeu pour qu'on coupe pas tout et qu'on balance pas tout par-dessus bord si on était de manière assez safe sur le bateau. De garder un max d'éléments, quoi. So, I think we can get rid of the main step by step. Yeah. Okay. Why do you think we can't keep the main? Because it's connected to the mast. We can never pull it up. Never. Do you think we are strong enough to get the mast with the main out of the water? No, I don't think so, but I think if we can probably take out the main, I don't know how, but... No, from the top it's fixed, huh? It's not at the top, it's at least 3. I think Ben at some point was wanting to try and save some things, which of course is a natural reaction. I know personally I was feeling like, yes, we could, but we could also sink the boat, so. Sur le pont, il y a les câbles du gréement qui se détendent et qui se retendent d'un coup au fur et à mesure avec les vagues. Il y a des bruits de carbone, c'est le chaos. I went into the bow section. I mean, I could hear it banging, but needed to see if we were watertight. And I started to try to get all the hatch covers ready in case one of the compartments started to flood, basically. Je pense que j'ai, de ma vie, je pense que j'ai jamais eu peur sur un bateau, mais là, j'ai eu peur. Là, j'étais pas confiant du tout, quoi. Je me souviens, je me déplace, je suis presque à quatre pattes, je suis complètement accroupi. J'arrive jusqu'au pied de mât pour shooter les gars qui sont en train de faire un peu un bilan, de voir un peu ce qui se passe et tout. Mais je sais que, je mets des œillères comme ça, mais je sais qu'à tout moment, il se passe un truc, je me prends un truc sur la gueule ou quoi, et donc je suis pas hyper confiant. Et là, il y a un mouvement qui est encore plus anormal et plus brusque que les autres. Et je m'arrête, et je me retourne, et là, je vois
le tronçon du pied de mât qu'on a gardé, qui s'est en fait arraché du reste du gréement, qui a pris le vent et qui s'est retourné sur le bateau. Et qui est passé en fait, qui est à ce temps, au moment où je me retourne, le pied de mât, il est à l'endroit où j'étais 5 secondes auparavant, quoi. 10 secondes, quoi. Donc en gros, à 10 secondes près, je me prenais un bout de 4 mètres de carbone projeté par 40 nœuds de vent sur la tronche, quoi. Et là, j'ai fait... Et là, je suis retourné dans le cockpit et je crois que je suis pas ressorti tant que le mât, il n'était pas libéré du bateau, quoi. Et au fur et à mesure, on voit le mât qui commence à couler, qui se met à la verticale et qui fait bouchon comme ça, avec le carbone saillant qui sort des vagues comme ça, prêt à pilonner le bateau. Donc là, il s'agit de partir tout de suite, quoi, détacher tout ce qui nous reste du mât et partir. Et donc c'est ce qu'on a réussi à faire. If we had a hole, if it started to damage the integrity of the structure of the boat, it's pretty hard to rescue someone in those conditions. I mean, we were hours and hours from someone being able to rescue us. So, yeah, did not want to be in that position. Et donc on s'est retrouvé à bord avec un petit morceau de mât de 4 mètres 50 alors qu'avant il faisait 29 mètres. Et puis là, il s'agit de prévenir l'équipe technique et de prévenir la direction de course de ce qui vient de nous arriver. Parce que ça veut dire qu'on est encore maître de la situation et les choses pourraient se dégrader encore plus, quoi, à ce moment-là. I have not really good news. Our boat dismasted. So, yeah. Yeah. So, the good news is everybody is really fine on board. We are still waiting some news, but everything is under control and the crew is fine. Ils sont en train de gérer la situation. On attend, ils naviguaient dans 30 nœuds et voilà. Donc là, à l'heure actuelle, je peux pas vous donner plus de nouvelles. Je pense qu'ils sont en train de dégager le gréement, mais je pense qu'ils sont dans le feu de l'action. Donc on attend des nouvelles rapides et. Et j'espère que ça va bien se passer, quoi. Les gars m'appellent, me disent voilà, le bateau a perdu son mât, quoi. Et en fait, en tant que rigueur et un peu responsable du gréement, tout de suite, tu te dis putain, c'est qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Pourquoi, quoi? Qu'est-ce qui est arrivé, quoi? Et ce qui est dur en plus dans ces moments-là, c'est que tu sais que l'équipage à bord. Ils vont pas pouvoir te donner de nouvelles tout de suite et que ils partent en mission, quoi. Là, le mât tombe, faut faire le boulot pour limiter les dégâts. Donc en fait, on t'apprend la nouvelle et ensuite on revient vers toi plus tard, quoi. Donc, c'est super dur en fait. Et là, donc là tu te dis la course elle est pliée, quoi. C'est plié, quoi. Ils sont fait le tour du bateau, il n'y a pas de voie d'eau, il n'y a pas de. Donc là ils sont safe en gros. Tout va bien, on peut respirer, quoi. Ils sont séparés du mât. Ils sont pas blessés. Le bateau, il fuit pas. Il n'y a pas de voie d'eau. Donc tout va bien. Ouais, on s'est vraiment battu pour donner le meilleur de nous-mêmes et pour revenir dans le match. Et... chier, quoi. En fait, pour moi déjà, depuis le début, je dis à tout le monde, on est un petit projet, on est une petite équipe, etc. On n'est pas capable de se relever de toutes les situations. Et souvent, la situation que je donnais en exemple, c'était genre, si on démate, on rentre à la maison, quoi. On n'a pas les moyens de se relever de ça. C'est frustrant. C'est frustrant, c'est beaucoup d'énergie, ça fait un moment qu'on n'est plus chez nous, ça fait depuis le mois de janvier. On s'implique tous, on essaie de se donner à fond et en fait on fait face à une situation qu'on ne maîtrise pas, quoi, qui est clairement aléatoire et c'est la deuxième avarie qu'on subit et personne mérite ça en fait. Et on n'y peut rien, quoi. Encore si c'était une erreur de notre part,
ok, on peut s'en prendre à nous-mêmes, mais c'est pas le cas, quoi. Et ça fait... C'est d'autant plus dur à accepter que bah, c'est aussi le projet d'un pote, quoi, et qu'il est dans une situation qui le met dans une position vraiment délicate, quoi. C'est des projets entrepreneuriaux, c'est des engagements financiers importants, financiers, humains. Voilà, c'est sur le moment, c'est quand même... Putain, c'est pas juste, quoi. On se donne quand même cœurs et âmes, tous dans ce projet, depuis 6 mois. Il nous est déjà arrivé la mésaventure de l'étape juste avant. Sportivement, c'est dur parce qu'on battait avec des bateaux neufs, les meilleures équipes du circuit. On fait 2 premières étapes où on est certes pas loin, c'est serré, mais on met pas de points sur le podium, quoi. L'étape 3, bam, retour maison, alors que c'était l'étape qu'on voulait absolument faire dans le sud. Étape 4, la downline qui casse, on se retrouve loin derrière, on arrive à revenir, on se bat comme des chiens quand même. Voilà, tout le monde s'est battu comme des chiens pour qu'on ait un bateau bien prêt pour partir. Nous, on se bat comme des chiens sur l'eau pour faire la meilleure perf possible. On est hyper content de la perf du bateau depuis le début de la course. Et là, bang, un coup de bâton dans les jambes par derrière. Là, je me suis dit, non, mais... Sans déconner, quoi. Je me suis dit, c'est un délire, quand même. I saw your tag, thank you. I didn't have the time to reply yet. Yeah, I'm super sorry. Hola, hola, hola. So sorry. If you guys need anything at all, just let us know, huh? Thank you. Yeah, to help. Need any help with anything? Yeah. Rien n'est du tout décidé sur la suite, notamment toute la partie logistique et où est-ce qu'on accueille le bateau. En fait, le bateau est quand même vachement loin. Rejoindre Newport, ça paraît quasi impossible. Avec le gasoil qu'ils ont, même avec un gréement de fortune, on va en faire un, ça c'est sûr. Comment il va le patron sur son bateau là? C'est pas les heures les plus faciles de sa vie, je dirais. Non, petit moral. Dur. Mais bon, il est quand même en train de nous demander comment on revient dans le game. Donc. La première option, c'est qu'on se disait qu'on aurait bien aimé que le bateau revienne à Newport, mais au final, c'est pas la plus simple parce qu'en termes de. Enfin, c'est pas la première option, c'est la première idée qu'on avait eue. C'est pas la plus simple étant donné l'orientation du vent et les difficultés qu'ils ont à progresser. Donc on s'est plus orienté vers la ville d'Halifax qui est au Canada, en Nouvelle-Écosse. C'est un port où il y a des cargos, il y a voilà, de quoi accueillir un IMOCA. C'est clair que c'était particulier parce que quand on démontait, Eleven Hour, il rentrait dans le port. Donc tu vois, t'entendais, nous on était en train de démonter, t'entendais genre la grosse corne de brume là, qui donnait le passage de la ligne en fait. Et une demi-heure après, c'était Malaysia. Donc c'est clair que nous, c'est un sentiment un peu, on se dit bon ben là, on rentre à la maison en fait. Nous. On démonte, on rentre. Voilà. Donc après, ben, on était. De toute façon, il faut faire le taf quand même. Donc on était résignés quoi. On était résignés, on avait les boules quand même. En fait, les choses elles sont vraiment belles dans ce projet à partir du moment où on les vit tous ensemble. Donc, démonter la team base parce que le bateau il viendra pas, c'était comme ça et voilà quoi. On a remonté une autre team base à Halifax et on a travaillé sur notre bateau. Ça sera comme ça l'histoire quoi. Parce que c'est cette course-là qui fait que c'est intense. Je pense que c'est intense. Les marins doivent tirer sur le bateau. En fait, je pense que cette course-là fait que tu peux avoir de petites emmerdes quand même. Yeah, exactly. We are 5 on board and we need a gasol. We have no gasol, so we can't use the engine.
So we have only 20 liters now, and we can't use the engine to join Halifax. So we need 200 liters of gasoil, or as possible for you. On a des vents portants, mais du coup on a quand même pas de vent, et du coup faut quand même qu'on arrive à rejoindre Halifax avant lundi. Si on rejoint pas Halifax avant lundi, on se prend un gros coup de vent de nord sur la gueule, donc ça nous ramène dans l'autre sens. Donc pour rallier Halifax avant lundi, eh ben, il faut qu'on ait plus que notre gréement de fortune, il faut qu'on utilise le moteur, mais pour utiliser le moteur il faut du gasoil, mais il nous reste plus que 50 litres de gasoil ou je sais plus 80 litres. Comment est-ce qu'on va à Halifax quoi? Et donc il s'est commencé une mission commando qui était dit on va faire venir un pêcheur qui va nous ramener du gasoil et qui va nous aider, etc. 70 000 balles, je crois, pour amener 300 litres de gasoil. Et donc, du coup, on a refusé cette offre, forcément, en se disant qu'on trouverait d'autres solutions, que là, dans tous les cas, on est en sécurité quand même dans notre bateau, qu'il n'y a pas de mourants et qu'on a assez de nourriture. Yeah, Ben's other plan was that anytime we see a ship on AIS, we ask them if they can give us some fuel. Night came and we all went into our watches and there were not many ships where we were. But just as I was going off watch, I think it was the second or third ship we'd called, Ben was asking them for fuel. There was a little bit of confusion with his English and the captain's English, but in the end it became clear that this captain was going to give us some fuel, and it was pretty cool. Ibrahim Osgedik, le Senamanta, un cargo qu'on croise à 12 000. Le gars il dit bien sûr qu'on va vous aider, nous on est des marins comme vous. So if I drop to water, can you pick them, can you collect them, because there are many seagulls, I cannot make maneuvers to you. So if I drop some diesel in bottles, so can you collect them? Yes for sure we can collect them. We have already 15 liters of diesel on board, so we can use the engine for 1 hour. So they prepared 7 tanks, 25-liter tanks, one was even 30 liters. And they tied them together with a big belt. I saw probably like 6, 7, 8 crew members on deck of Manta Sena. And they dropped it in the water, and it was quite a maneuver to get them on board. And then one by one, we managed to lift the jerry cans out of the water. And it's like the best Christmas ever. At one point, I went on the radio to confirm to the captain that we had the fuel, and I couldn't help telling him that he was superstar of the Atlantic Ocean. He was our superhero. On a eu environ 180-200 litres de gasoil, donc c'était cool parce que ça nous a permis de rejoindre assez largement Halifax. Quand on a vu le visage de l'équipe à l'arrivée, moi ça m'a aussi beaucoup touché parce que c'est là aussi qu'on voit, quand on est en mer on s'en rend pas trop compte parce qu'on sait que l'équipe travaille énormément pour nous trouver des solutions de ravitaillement, de remorquage, port d'arrivée, solutions logistiques en quelque sorte. On le sait, mais tant qu'on n'a pas vu le visage de l'équipe à l'arrivée, on ne se rend pas compte dans quel état ils sont. Mais en fait, on se rend compte que les visages sont fermés, attristés, qu'ils sont touchés aussi par la situation et que finalement, tout le monde est super impliqué dans un projet comme ça. C'est, humainement, c'est ultra riche, c'est incroyable. Quand je les vois, ça me fait un truc. Hein. Ouais, je suis hyper ému parce que déjà ils sont tous là. Je suis hyper déçu pour eux parce que je sais qu'ils se sont donné beaucoup. Et je vois que eux, ils sont juste contents de nous voir. Ouais, c'était un moment d'émotion assez particulier, je dirais. Je sais pas s'il y a beaucoup de sports où on est capable de vivre des choses pareilles. C'est... Moi, personnellement, pour moi, c'est le pire moment, ce moment-là, dans cette histoire. C'est de voir le bateau arriver. Bon, t'as vu les photos du bord, t'as vu le bateau avec un bout de mât et tout.
En fait, tu réalises vraiment que là... Bon, puis en plus, tout était réuni pour que ça soit pas très marrant, quoi. Il faisait pas très beau, il faisait froid, il manquait un bout du bateau, c'était... In my mind, I'd imagine the next time I saw Mario and Pedro and all our team, I would be hugging them on the dock in Newport, hopefully in a podium position. And you know, that was what I was racing towards for those 16 days. And that started to become a reality, like just before we broke the mast. You know, it really felt like this was something we could do, and I kind of visualized it. So the reality was very different from that. And yeah, that's hard. Donc ouais, après au final assez vite t'arrêtes de réfléchir et tu te mets dans un mood où de toute façon il faut que le bateau on le charge, qu'il rentre en Europe. Donc l'important maintenant c'est de s'occuper du bateau et de faire en sorte que tout ce qui peut être sauvé soit sauvé et qu'on aille vite en Europe pour avoir vite les ressources nécessaires à continuer le projet, quoi. On a forcément un plan qui est imaginé et réalisable tout de suite dans l'instant, c'est abandonner et ramener le bateau au sable. Ça c'est sûr, on n'a même pas besoin de travailler dessus parce qu'on sait que si on abandonne, on rentre à la maison. Et ensuite on a un voire deux autres plans pour revenir dans la course qui parfois sont compliqués à imaginer et parfois plus faciles, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction des jours et en fonction de l'avancée, d'un coup tu te dis ah c'est bon, on va pouvoir le faire. Ensuite le soir tu apprends une autre nouvelle, tu te dis ah ça va être quand même compliqué et tout. Enfin, j'ai pesé les pour et les contre partout. Je me dis que même si c'est dur, franchement si on a les finances qui suivent, faut qu'on y aille, quoi. Franchement j'ai tellement peur qu'on regrette de ouf de pas aller au bout de cette aventure, quoi. Il vient me voir, il me dit écoute, qu'est-ce que t'en dis de tout ça? Moi je pense qu'il faut continuer, il faut pas abandonner, il faut revenir sur les prochaines étapes. Waouh, c'est combattant quand même, le personnage, c'est chouette quand même de voir ça. Donc moi la première chose que je lui ai dit en tant qu'ami c'est, bah tu sais moi, tu prends ta décision, moi je te suis, donc peu importe où tu veux aller et ce que tu veux faire, je serai avec toi, quoi, y a pas de problème, tu peux compter sur moi. I think the hardest thing for the team right now is the uncertainty, because we don't know the future. I mean, we discussed this on board quite a lot, and there is a big will from Ben and from all of us to continue, because yeah, we want to finish the race, and it feels, I think we were all just saying, it can't end like this. Terminer cette histoire serait quand même la plus belle chose qui puisse nous arriver, même si sportivement c'est pas ce qu'on espérait. En tout cas, je pense que humainement et techniquement, on aura appris des choses assez incroyables pendant ce Gym Ocean Race. Ça c'était fou. And now we're on land and there's a harsh reality that there's a short time frame and there's for sure a large financial burden. And yeah, so now we're at the stage where we have to lay out all the facts and we have to see what's possible. Si les gens ont la force, les ressources pour repartir, en tout cas, je l'espère. Il le faut. And I think if we can get to Genoa, that will be such an achievement for the team that yeah, it will give everyone a good memory of this. Yeah, I mean, I don't want it to end like this. And now, stepping out of the race is for me not an option. I want to continue. I want to continue. You have to bring a race like that properly to an end. Like... Au Brésil, on pensait vraiment qu'on était sorti d'affaire. Personne n'imaginait qu'à deux jours de l'arrivée, on allait avoir un encore plus gros problème que celui qu'on a eu à Cape Town, quoi. Donc bah, c'est vrai que là, moi le premier, tu vois, j'accuse un peu le coup, quoi. Je suis un peu fatigué, c'est un peu dur de se remobiliser, quoi. Parce que, ben, t'as l'impression qu'à chaque fois que tu relèves un peu la tête, on te réécrase, quoi. Donc,
c'est un peu dur. Et d'un autre côté, quand tu vois l'investissement que tout le monde y met, t'as pas envie de faire le travail qu'à moitié, quoi. T'as envie de te dire que bon, bah, si tout le monde est OK pour y retourner, bah, il faut y retourner à fond, quoi. Il faut aller au bout du truc et on sera fiers de ce qu'on a fait, quoi. Ce qui serait top, c'est de finir la course. Et en plus, tu commences un truc, tu le filmes. Il y a des couilles entre les deux. Évidemment, c'est pas... C'est une course qui est... C'est une énorme course. C'est une énorme course. Si le plan sauver la course se met en place, ça risque d'être une dernière partie de course assez intense. Intéressante à suivre, même. Ouais, si ou en Europe.